Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne officielle YouTube. Moi c'est Merlin Oni ou Merlin de Philadelphie et vous êtes sur la chaîne de Réussir aux États-Unis avec moi bien sûr. Et sur cette chaîne, nous parlons spécifiquement des astuces ou des petits trucs qui peuvent vous permettre de pouvoir réussir ici aux États-Unis et aussi pouvoir augmenter aussi votre niveau de connaissance, puisque c'est cette combinaison là en fait qui vous permet de pouvoir hausser votre niveau de vie, peu importe le domaine dans lequel vous exercez. Donc si vous êtes nouveau à cette chaîne pour ainsi dire, considérez déjà faire trois choses: liker la vidéo, commenter et surtout vous abonner à la page et activer la cloche de notification pour que chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, vous soyez parmi les premiers à être notifiés. Donc bienvenue une fois de plus à cette vidéo et sans plus tarder, passons au sujet principal. Donc comme vous l'avez noté déjà sur le post, aujourd'hui je vais vous parler de cette astuce, d'une astuce clé que vous devez être capable d'appliquer si vous voulez si votre goal, votre but en fait est de réussir ici aux États-Unis. Et je pense que l'une des trucs les plus importantes ici aux États-Unis pour vous en sortir, pour vous en fortifier. C'est bien qu'il y a d'autres moyens. Je ne veux pas être, tu vois, le genre à dire que non, il n'y a qu'un seul moyen. Dans la vie, il y a plusieurs moyens de s'en sortir. Mais pour la majorité des gens, ici, d'après ce que j'ai observé, l'astuce clé numéro une que je vais donner, c'est de créer un business. C'est de lancer un business, c'est de commencer un business. C'est-à-dire, peu importe l'activité que vous menez en parallèle, que ce soit sur le plan scolaire, que ce soit sur le plan professionnel tout simplement. Si vous travaillez, vous avez un corporate job, vous avez un 9 to 5, comme on le dit souvent, faites tout ce que vous pouvez pour pouvoir lancer un business. Je veux dire quoi par lancer un business? Lancer un business, genre un business vraiment établi, un business vraiment structuré, un business vraiment qui existe. Plus il y a plusieurs business qu'on lance et ce n'est que genre en ligne, sans que ce ne soit enregistré nulle part, ou c'est un business dans lequel tu n'as pas vraiment de equity, tu n'as pas vraiment une valeur tangente du business que tu peux claim que vraiment ça t'appartient. Donc, pour ceux-là qui pensent, ceux qui sont en train de traverser les moments difficiles et qui se demandent s'ils peuvent pouvoir s'en sortir. Puis ici aux États-Unis, il y a un truc qu'on appelle le rat race. Le rat race, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a cette image-là, je pense que je vais pouvoir trouver ça pour ajouter ça à cette vidéo. C'est l'image d'un rat qui ne fait que tourner dans une roue. C'est-à-dire, la roue tourne, le rat court dans la roue et la roue ne fait que tourner sur place. Donc, plus le rat court vite, plus la roue tourne rapidement et le rat en fait de se dire qu'il avance, pourtant il ne fait que du surplace. Donc c'est ça qu'on appelle le rat race ici aux États-Unis. Donc le rat race le plus souvent symbolise un job, un boulot que tu as et tu travailles. Chaque jour tu te lèves le matin, tu t'en vas travailler, tu reviens, le lendemain tu t'en vas faire, tu viens et tu te poses la question où est-ce que l'argent part. Puisque tu as l'impression de ne même pas voir, de ne même pas savoir où ton argent part à la fin du mois parce que tellement tu travailles, tu mets de l'effort et cet argent-là ne fait que partir dans les dépenses journalières, le loyer, la nourriture, l'assurance et beaucoup d'autres choses, la famille et tout ça. Donc, pour sortir vraiment de ces rats-là, selon moi, c'est qu'en parallèle de ce que vous faites de façon quotidienne, en parallèle de votre activité journalière, il faut vous lancer, il faut créer un business. Il faut créer un business, il faut vous lancer dans un business de façon parallèle à ce que vous faites. Pour être spécifique, je vais dire quoi? Il vous faut enregistrer votre business. Le tout, ce n'est pas seulement dire que je suis en train de faire un business, mais c'est d'être capable de pouvoir enregistrer votre business. Parce que le plus grand avantage de pouvoir posséder un business ici aux États-Unis, c'est que ça vous permet d'économiser en taxes. Puisque la taxe ici aux États-Unis, c'est l'une des plus grosses dépenses que n'importe quel individu aux États-Unis paye durant sa vie. C'est l'une des plus grosses dépenses. Donc, si vous ne trouvez pas un moyen de pouvoir économiser en taxes ici aux États-Unis, vous êtes fini. Et cette période, si nous sommes en mars 2022, c'est justement la période des taxes.
plusieurs personnes sont en train de faire leurs taxes. Et c'est pendant ce moment-là que les entrepreneurs, ceux qui sont dans le business, parviennent à faire des économies ou parviennent à économiser surtout des montants vraiment faramineux à travers leurs taxes. Et les taxes, vraiment, ce sont les dépenses que tu as pu faire au courant de l'année. Et c'est quand tu soumets, quand tu files tes taxes, comme on dit sur les États-Unis, c'est-à-dire tu reportes tes taxes, tes dépenses, tes entrées, tes dépenses aux États-Unis, au gouvernement. Et sous la base de ces dépenses-là, ils déterminent si tu leur dois des taxes ou si c'est eux qui te doivent. Donc, c'est un peu comme ça, c'est ça qu'on appelle false taxes. Donc, c'est l'une des plus grosses dépenses que tout individu aux États-Unis, comment je vais dire ça, je connais ça en anglais, mais je ne sais pas trop comment dire ça en français. Mais je vais juste te dire, c'est l'une des plus grosses dépenses qui doit vraiment venir sur ta route pendant ton trajet aux États-Unis. Donc, l'une des meilleures façons de pouvoir éviter ces dépenses-là, c'est de pouvoir enregistrer un business. Pas juste faire un business. Puisque plusieurs d'entre nous, ici, il y a une activité qu'on appelle Uber ou Lyft. Plusieurs d'entre nous font cela. Tu vois? Mais quand tu fais Uber ou Lyft, tu travailles sous une compagnie. Lyft, c'est une compagnie. Uber, c'est une compagnie. Bien que tu sois un independent contractor, c'est-à-dire que tu travailles à ton propre compte, tu es self-employed, je ne sais pas comment dire ça en français, tu travailles à ton propre compte en quelque sorte, sous une autre compagnie, bien sûr, tu es comme un sous-traitant en quelque sorte. Bien que tu travailles dans ce modèle-là, tu n'économises pas vraiment en taxes si comparé au fait que tu es ton propre business, ta propre structure que tu as lancée avec une adresse, la structure dans laquelle ton business est créé, c'est-à-dire soit une LLC, soit une corporation, qui sont des trucs que moi je forme les gens à pouvoir créer leur propre LLC ici. J'ai des cours que je fais dans ce domaine-là. Pour ceux qui veulent en savoir plus, allez sur ma page Instagram, vous pouvez cliquer sur le lien dans mon profil et vous allez pouvoir voir exactement tout ce que je fais. Donc, pour ceux qui sont intéressés, retrouvez-moi. Je vais mettre la page, mon lien YouTube ici pour que vous puissiez aller là-bas et voir comment est-ce que, si vous êtes intéressé pour pouvoir lancer un business ou créer un business, je vais vous montrer comment faire cela. Et j'ai aussi un livre qui va sortir bientôt pour pouvoir montrer aux gens comment le faire dans n'importe quel état aux États-Unis, dans tous les 50 états. Donc, c'est l'une des premières astuces selon moi. Si tu veux vraiment réussir aux États-Unis, il faut déjà que tu trouves un moyen pour pouvoir économiser en taxes. Là, c'est la clé. Si tu veux réussir aux États-Unis, trouve un moyen pour pouvoir économiser en taxes. Parce que si tu ne le fais pas, tout ton argent que tu vas travailler va partir dans les taxes. Tout ce que tu vas travailler va partir dans les taxes. Mais il faut que tu trouves un moyen pour pouvoir réduire le montant d'argent que tu dois soit devoir au gouvernement, soit économiser à travers le processus des taxes à la fin de l'année, et généralement au début d'année, puisque c'est au début d'année que nous soumettons à faire cette taxe-là. Donc ça, c'était pour vous donner ces simples astuces-là. Pour ceux d'entre vous, bien évidemment, qui sont nouveaux à ces chaînes, je vous encourage déjà à vous abonner à la chaîne, liker, laisser un commentaire si vous avez des questions et surtout partager cette vidéo pour ceux ou ceux de vos amis ou des membres de votre famille qui se trouvent ici aux États-Unis. Donc, une fois de plus, c'était Mélanie de Philadelphie et je vais vous revoir très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bye bye. Take care, guys.